Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on monte les têtes internes striking, c'est-à-dire internal swim bait head sur un shad alicious. C'est un swim bait creux. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'utilise pour le black bass, pour les grosses perches aussi en plus petite taille et pour le brochet aussi principalement. Alors là, moi, j'aime bien pêcher en hameçon simple sur un leurre souple, notamment sur le brochet. Donc je vais utiliser vraiment ces têtes. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est une tête relativement plate et en fait elle va venir à l'intérieur du leurre et elle va complètement disparaître. Il n'y aura plus que l'hameçon. Donc d'abord, pour commencer, on prend à peu près la place, le gabarit un petit peu de la tête. On regarde jusqu'où il arrive, c'est-à-dire à peu près ici avec les doigts. Je viens y faire ici une petite encoche dans laquelle je viens glisser ma tête. Une fois qu'on est arrivé, c'est-à-dire à peu près en butée du leurre, pas trop non plus pour pas trop le guinder, on vient appuyer ici. Hop. Et on vient faire sortir l'œillet. Voilà, vous vous retrouvez en fait avec un swim bait qui est parfaitement monté, qui est droit, un œillet qui dépasse, on ne voit plus la plombée et tout est là. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc vous avez vu, il n'y a pas besoin d'outils, hein. J'ai pris l'hameçon pour couper. Voilà, moi le shad alicious, c'est un des leurres que vraiment j'aime utiliser sur le brochet. Ça a vraiment une grosse pulsation, c'est vraiment très intéressant. Et le fait de l'avoir en tête interne, vraiment ça résout tous les problèmes de tête plombée, de montage chalot, de trucs biscornus avec des embryons, des triplets, des machins. Voilà, vous mettez un hameçon, vous le mettez, vous l'attrapez, vous lancez, c'est parti. Ça dure moins de 30 secondes. Voilà, et vraiment on a un leurre qui est ultra, ultra réaliste. Vous n'avez que l'hameçon qui dépasse et l'œillet. Et il n'y a pas tout l'espèce de système habituel. Pour les eaux claires, moi je trouve que c'est vraiment important.